Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je sais que les éléments de la Yoro Gang et Universal ont peur. Ils se disent, il va venir dire quoi encore? Il va venir dire quoi encore? Mais effectivement, Kong a été boycotté et je ne suis pas content. Et j'informe toute la Chine que mon décryptage du clip officiel Kong de Didier Arafat est déjà prêt. Voilà, il sera diffusé demain à partir de 11h00 GMT. Donc soyez connectés. Voilà, vous connaissez Erito. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Mais quand c'est pas bon aussi, il faut reconnaître que c'est pas bon. Donc je vous prie de bien vous installer. Parce que dans cette vidéo, on parle aussi d'Iba One. Iba One qui commence à abuser. Je vais finir par me fâcher avec lui, ce dernier-là. Honnêtement. L'empereur Kankoumoussa, je pense que tu abuses. Voilà, si tu veux savoir de quoi je veux parler, like, partage et commente. Voilà, commente. À tout à l'heure, les amis. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je procède à des virements. Voilà, bon retour, les amis, bon retour. Je sais que la Euro Gang, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas vous parler mal, mais je vais dire juste une vérité. Une vérité encore. Quand vous allez vous asseoir, vous allez dire c'est une vérité. Voilà. Mais pour l'instant, calmez-vous. Je vais finir d'abord avec mes gladiats. Voilà, les fans d'Iba One. Les fans d'Iba One, franchement, je pense que l'artiste Iba One, il exagère. Mais bien avant d'aller plus loin, j'espère que vous vous abonnez massivement. Je dis bien massivement à la chaîne YouTube de mon artiste béninois, dénommé Frost King. Il a besoin de vous, de la manière que je me tue à faire sa promotion ici. Il a besoin de vous, les amis. Son lien est toujours dans la description. Allez vous abonner, de la manière que vous donnez de la force à Iba One. Iba One, pour sa chance, il est déjà artiste confirmé. Il ne fait que les stades et les stades. Il remplit tous ses spectacles. J'aimerais aussi que vous souteniez aussi Frost King parce que c'est une étoile montante de la musique béninoise et il fait très fort actuellement. Donnez-lui de la force. Abonnez-vous et au mieux, commentez. Dites-lui que vous venez de la part d'Eritor. Et que vous aimez sa musique. Parce que j'ai vu vos commentaires sur sa vidéo. Apparemment, vous trouvez qu'il chante bien. C'est déjà bon. Cependant, comme je disais tantôt, Iba One, je pense qu'il exagère. Voilà, il exagère vraiment. Je vous explique. Vous savez, c'est bien facile de remplir une salle de 2000, 3000 places. Mais s'amuser à vouloir remplir toujours des espaces de 30 000, 40 000 personnes, je trouve que c'est abusé. Je vous explique. Je sais que les gars sont au courant parce que Iba One se fait le stade de Kati. Encore ce 22 février. Bon, attends. Toute ta vie, ce n'est pas que des stades, Iba One. Donne la chance aussi à tes concurrents. Donne la chance aussi à tes collègues de remplir ces stades-là comme toi. Franchement, c'est vrai que tu es un empereur. C'est vrai que tu es l'artiste le plus aimé au Mali. Je sais que tu es l'artiste le plus influent, mais franchement, c'est abusé. Et cela crée de la frustration autour de toi. C'est pourquoi tu vois que tous ces petits rappeurs te clashent en longueur de journée parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un artiste a cette facilité-là de remplir que des stades. Des stades et des stades. Donc, j'aimerais inviter tous les vrais gladiats. Les vrais gladiats, j'ai dit. Voilà, parce que ces derniers temps, on remarque qu'il y a des gladiats qui veulent tourner les vestes. Or, la team gladiat, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Nijuguyabila. Si vous comprenez pas, j'allais chanter ça pour vous. Ibawan, franchement. Le gars, je suis tombé vraiment fan de lui. Hein, voilà, parce que je pensais qu'il était seulement rappeur, mais quand il te fait de la mélodie, elle est entraînante. Regardez même dans Tout va bien. Regardez même dans Tout va bien. Et puis, habitant de Kati, gladiat de Kati, mais comme je sais que Iba One, quand il est en concert, c'est tous les périphériques de la ville qui viennent à son concert. Donc, j'invite tout le Mali, si possible, à se rendre à Kati. Fêtez avec Iba One, voilà, juste après la Saint-Valentin, fêtez avec votre empereur parce que je sais qu'il va encore remplir ce stade-là. Et information de détail, j'espère que vous n'avez pas oublié, population parisienne, ce 7 mars, dans le 93, Iba One arrive avec sa team Gladia. Il viendra encore casser le 93. Je sais que tout Paris en parle actuellement parce qu'il y a une forte, forte communauté malienne à Paris. Je l'ai dit en France, donc je sais que tout le monde sera au rendez-vous. Au passage, un spécial big up à mon frère, à mon ami personnel, Bumbaka Tunkara, un gladiat plus que gamé et un vrai qui surtout se bat pour la musique africaine. Il est pour tout le monde. Mais sa préférence dans le showbiz, c'est Iba One. Et moi, je suis comme ça. Ma préférence dans le showbiz, c'est des Bordeaux qui, malheureusement, jusque-là, nous fait languir sur son quai du sale. Mais je sais que ça va venir. Et lorsque ce quai du sale sortira, tout le monde sera d'accord. Donc, fan d'Iba One, dites à Iba One
qu'après le stade de Kati, il a qu'à se reposer un peu. Il a qu'à laisser le stade respirer un peu. Je vous en supplie. C'est vrai qu'on l'aime. C'est vrai que quand il fait ses spectacles, on sort. On va massivement remplir ces stades-là. C'est lui des spectacles-là. Mais franchement, qu'il fasse une pause. Parce que c'est abusé. Parce que s'il continue dedans, ça va créer vraiment de la rancœur. Et puis les clashs vont toujours se multiplier à son encontre. Multiplier parce que, oh non, quand on le clash, moi j'ai mal. Voilà, je n'aime pas qu'on clash un artiste que j'aime. Je ne supporte pas ça en fait. Voilà. Et comme moi je ne sais pas insulter, je viendrai dire ça et là que c'est pas bon et tout. Oh, je suis affecté. Donc, juste vous dire que Iba One sera à Kati ce 22 février. Sortez massivement les gladiateurs comme d'habitude. Et il sera là dans la période du 7 au 8 à Boaké avec Kedjevara, au festival de Kedjevara. Donc, la population ivoirienne aura le privilège de découvrir ce grand rappeur malien là qui fait parler de lui dans la sous-région et même à l'extérieur des frontières africaines. Merci. On peut parler maintenant à la Yoro Gang. Bon, la Yoro Gang, vous savez, moi, il n'y a rien contre vous. Voilà, vous vous êtes débrouillés, vous vous battez comme vous pouvez. Et surtout, j'adore votre page DJ Arafat Forever. Vraiment, c'est du bon boulot. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais franchement, voilà ce qui m'a dérangé un peu. La petite vérité que je dois vous dire ce soir, elle n'est pas méchante, mais c'est quand même une vérité. Regardez la communication autour de Kong. Vous avez fait une communication de masse sur Kong. À l'instar de mon frère Badro, le blanc de la Chine. Qui a fait une grosse com sur son Instagram, sur ses pages Facebook. Et il y a aussi vous de votre côté qui animez très bien la page DJ Arafat Forever. Mais qui malheureusement, on ne sait pas pourquoi, vous avez sérieusement un problème de communication. Parce que la communication, ce n'est pas seulement de savoir faire une promotion de la sortie d'une œuvre. Ou bien inviter les gens à aller acheter l'œuvre de l'artiste. Ce n'est pas seulement ça. Quand vous dites à votre audience, c'est-à-dire la Chine, aux Chinois, que le sort sort. D'abord, la première heure, c'était 19h. Puis après, un dernier post sur la page de DJ Arafat Forever, on nous parle de 18h. On dit, ok, il n'y a pas de problème, 18h, 19h, ça gère. Donc, toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier était aux aguets sur la chaîne de DJ Arafat. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le clip de Kong sorte vers 21h passé? Pourquoi? Moi, j'ai rien compris en fait. Parce que si vous ne savez pas, si jusque-là, on n'a pas encore atteint même le demi-million de vues, c'est pour cette petite erreur-là que vous avez peut-être jugé anodin ou bien, on va dire, comment on va appeler ça, à négliger. C'est ça qui a créé le fossé. Et jusque-là, ce n'est pas normal que l'audio qui a été supprimé avait dépassé la barre des 400 000 vues en moins d'un jour. Et le clip, un si beau clip, peine à faire le demi-million. Mais c'est normal. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 19h. Après, vous lui dites, bon, on va rapprocher un peu le rendez-vous, on se voit à 18h. Et le gars, il vient se planter là, 18h. Il dit, bon, comme il avait 19h, peut-être qu'il va venir à 19h. 19h, tu ne viens pas. 20h, bon, le mec, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Et dès que le gars, il bouge, il a peut-être à 5-10 km du point de rendez-vous. C'est là qu'il dit que non, je suis là, je suis là. Mais le temps que le gars va venir te retrouver là, il est fatigué. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de trucs. Jusque-là, je sais qu'il y a des Chinois qui ne savent pas que le son est sorti. Ce sont les erreurs à ne pas faire. Je sais que vous travaillez beaucoup pour pérenniser les œuvres de l'artiste, mais franchement, sur ce côté-là, vous avez joué vraiment faux jeu. Et ce n'était pas du tout professionnel. Voilà. Ça a été une erreur fondamentale. Et puis, ce qui a fait que jusque-là, DJ Léo n'est pas inquiété parce qu'actuellement, l'artiste qui fait le buzz, le morceau qui fait le buzz, c'est Donny l'argent de DJ Léo. Moi, je pensais que la sortie des cons allait au moins atténuer un peu, légèrement, la ferveur, la montée en puissance de ce son-là, mais à cause d'une petite erreur, peut-être de manipulation ou bien d'un problème technique, ça faussait tous les calculs. Dieu merci, on a quand même dépassé la barre des 300 000 vues, c'est déjà quelque chose, mais je pense que ce clip-là méritait mieux. En tout cas, chers Chinois, soyez au rendez-vous, voilà, parce que j'ai mon mot à dire sur ce clip-là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont réussi, mais il y a des choses aussi qui n'ont pas réussi, et il est bien de le dire. Voilà, je sais que vous serez là, ça seulement je n'en doute pas, je sais que vous serez là demain 11h GMT, mais franchement Eurogang, évitez ce genre d'erreur là, c'est pas joli à voir, parce que moi j'allais être fier de me réveiller aujourd'hui et puis DJ Arafat depuis sa tombe a encore fait l'espoir de dépasser le million de vues en moins de 24h, mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi, moi je peux pas vous condamner, je peux pas vous juger, mais franchement il faut éviter ça, que ça ne se répète plus, voilà, vous travaillez déjà assez pour la 10 depuis sa mort, ne gâtez pas votre travail avec ces gens de négligence là, c'était pas joli parce que toute la Chine était aux aguets, tout le monde était gamé, et que ce soit les fans de tous les artistes coupés décalés, même du Zouglou, attendaient ce clip pour voir un peu comment il allait être conçu.
comment, à quoi il allait ressembler, parce que c'est quand même le dernier au plus que Didier Arafat faisait la promotion avant qu'il nous quitte. Vous voyez un peu, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais franchement, le morceau, il est intéressant. Et je vous donne rendez-vous, parce que ne me donnez pas envie de faire mon décryptage en même temps. Mais c'est ce que je tenais à dire. Si on n'a pas pu faire le million de vues jusque-là, c'est à cause de ça. Voilà, c'est pas à cause de quelque chose d'autre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain 11h. Ciao, ciao les amis.